par rapport aux chiffres, au nom du papa qui se loquait le kelo, comme je continue mon propos, papa Dialongana, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, papa Dianguenda Kuntima, donc les trois, papa Simon Guimau Kengani. Mon intervention sera par rapport à ce chiffre-là, 23. Nous, dans le cadre de la science que papa Simon Guimau nous a donnée, le pape Ndongo Pelekete, pourquoi papa Simon Guimau nous a donné ces chiffres-là au départ? On m'a nommé en Gikongo, la langue originelle de Dieu. Le chiffre, on l'appelle Ndialou. Je crois que je l'ai évoqué ici. Ndialou. En faisant usage des deux principes fondamentaux du Mandombe, qui est donc la rotation et la symétrie, ça devient Luta. Luta, ça c'est le chiffre, et ça c'est le bénéfice. Bénéfice. La symétrie. Luta, c'est le bénéfice. Papa Fumalongo, Tata Simogimangu, Kiangani, nous a parlé des chiffres. Or, on m'a nommé. C'est pourquoi je dis que mes amis, chers amis, à chaque fois que je me suis fort là-dessus, Papa Obeladjo, notre grand frère, pas à son âme, disait toujours que Noé, quand il construit son arche, à chaque fois on le voyait, tous les gens de ses contemporains disaient oh, mais ce Noé-là, vraiment. À chaque fois, mais qu'est-ce qu'il cherche vraiment ce Noé-là? Et quand le déluge est venu, c'est déjà trop tard. Et nous, on m'a nommé, nous insistons, s'il vous plaît. Et Ndialou, moi, j'avais fait une thèse, j'étais à l'académie de m'a nommé, quand je suis allé récemment donner à Kinshasa, j'avais fait ma contribution dans cette recherche-là. Ndialou, j'avais donné m'a nommé comme étant Ndialou Amambu Munza. Le Kichu m'a nommé, c'est Ndialou Amambu Munza. Donc Ndialou, c'est le regard de l'observation des choses de la terre. L'inspiration, si nos amis, les occidentaux, que j'appelle soit les Bassimissa, ceux qu'on a fait tenir, ils observent la nature, et puis, papa Simon Guimau, l'inspiration a soufflé, c'est un quart là. Mais les trois quarts aujourd'hui, on dit Ndialou, Ndialou, regardez l'observation. Et Ndialou, c'est le chiffre. Maintenant, je vais prendre du temps parce que c'est vraiment un exposé complet. En revenant donc au chiffre Lumbu et le Bouéla, le 23. Le 23, vous savez comment nommer les chiffres. Si les voyelles, les voyelles, les babouye kabolumu, donc A, E, I, O, U, c'est également des chiffres. S'ils ne sont pas accompagnés des voiles en bamba, ce qu'a fait le nommé papa Adrien, il est là pour me confirmer, c'est également des chiffres. Donc, ici, des voyelles. Ici, on m'a nommé, ça c'est Lubu. Lubu a été tiré, papa Beletou a tiré de Lubu Mbachi. Là, parce que moi, il y a 6 ans en prison. Lubu Mbachi. Et là, c'est le Bouende, la ville de Bouende, où Papa Simon Guimau a accompli l'acte de puissance qu'on appelle l'ubiquité. On n'arrêtait pas Simon Guimau à Bouende, on n'arrêtait pas Simon Guimau à Bolafa, on n'arrêtait pas Simon Guimau à Ekafera, à Mandaka, dans la région de l'Équateur d'ailleurs, et on était en prison. Donc, Papa Obeladjo a éternisé, toutes les villes venaient prendre le mandat, mais c'est là que Papa Simon Guimau a posé cette puissance là. Et donc, ça devient Lubu Bouende. Et moi, j'ai fait, en tant que Congo, j'ai essayé de formuler une phrase là-dessus, à propos des chiffres. Lumbu est Bouéna Diambu. Donc, le 23 là, il dit que Lumbu, ça devient le jour, Bouéna Diambu. Je crois que vous avez compris. On n'a pas que Sorokele, papa de Lungana, papa Simon Guimau qui a gagné, à qui d'autres choses. Lumbu, le jour, Bouéna, ce que sera. Cela dit le problème, le gloire. Toko minasuka bana bobongwana pwete na lingi na sala likambo nanga. On est vers la fin, je veux poser mon acte de puissance. Au nom de Paris Solokele, papa Dilungana, papa Simon Guimau. Merci papa Dilungana. Je pense que nous tous on a retenu quelque chose. On va passer rapidement au Tintani.